commencer, installez-vous dans une position confortable, dans laquelle vous vous sentez en sécurité, dans un endroit où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Essayez de rester assis si possible, le dos bien droit et la tête bien droite sur la nuque, les épaules. Laissez les épaules redescendre vers le sol et placez vos mains sur vos genoux si possible. Fermez les yeux et posez votre attention sur le flux de la respiration. Sentez chaque inspiration, chaque expiration. Observez simplement votre respiration sans essayer de la changer, de la réguler, de quelconque manière. Autorisez le corps à simplement être présent, être là, exister tel qu'il est. Essayez de percevoir une sensation de dignité, une sensation d'engagement, de complétude dans cet instant, avec votre posture, pour réflexion de cette complétude. Essayez de faire venir à votre esprit l'image d'une magnifique montagne que vous connaissez ou que vous avez vue, ou une montagne que vous avez envie d'imaginer. Gardez cette image et cette sensation liée à cette montagne dans votre esprit. Posez de plus en plus votre attention sur cette montagne. Observez sa forme générale. La pointe de la montagne, haute dans le ciel. La base de la montagne, bien ancrée dans la croûte terrestre. Et ses côtés qui redescendent et qui montent doucement. Observez la taille de cette montagne. Observez combien elle est solide, immuable. Combien sa beauté est appréciable de loin et de près. Peut-être que votre montagne est de la neige au sommet, des arbres sur les pentes. Peut-être qu'il y a un pic proéminent, peut-être une série de pics ou un plateau élevé. Peu importe sa forme, son apparence. Essayez simplement de respirer avec l'image de cette montagne. Observez-la, observez ses qualités, et lorsque vous serez prêt, imaginez que vous pouvez déplacer cette montagne à l'intérieur de votre corps pour unifier votre corps qui est assis ici et la montagne de votre esprit. Partagez avec cette montagne l'aspect massif et tranquille et majestueux. Imaginez que vous devenez cette montagne bien ancrée dans votre posture assise. Votre tête devient le pic de la montagne, soutenu par le reste de votre corps.
vos épaules et vos bras deviennent les flancs de la montagne. Les fessiers et les jambes forment une base solide, ancrée, enracinée dans la surface où vous vous trouvez. Essayez de voir si vous pouvez observer une élévation, un sens d'élévation, une sensation d'élévation dans la colonne vertébrale avec chaque respiration. Continuez dans cette position à devenir de plus en plus une respiration à la fois une montagne stable dans votre calme en étant complètement vous-même au-delà des mots et des pensées, une présence centré, ancré, stable. Alors que vous êtes assis, posez votre attention sur le fait que le soleil voyage dans le ciel. Que la lumière, les ombres et les couleurs changent à chaque instant. Que la nuit suit le jour et que le jour suit la nuit. Le ciel rempli d'étoiles, la lune et puis le soleil. Et à travers tout ça, la montagne est là. Existe. Ressent chaque changement à chaque instant. La montagne change à chaque instant. Et en même temps, elle reste la montagne. Elle reste en paix alors que les saisons la traversent. Le temps change, instant par instant, jour par jour. La montagne reste calme. En été, il n'y a plus de neige sur la montagne, sauf peut-être au sommet. En automne, la montagne change peut-être complètement de couleur. Et en hiver, il y a peut-être une grosse couche de neige et de glace qui se dépose sur la montagne. À chaque saison, il arrive qu'il y ait du brouillard ou des nuages qui enrobent la montagne. Parfois de la pluie glacée. Il y a des gens qui viennent voir la montagne et font des commentaires sur son apparence, sur sa beauté, sur le fait que ce n'est pas un bon jour pour voir cette montagne. Rien de tout cela n'importe à la montagne, qui reste à chaque instant elle-même. Proche de son existence essentielle. Les nuages vont et viennent. Et la magnificence de la montagne et la beauté de la montagne ne changent pas. Même si les gens l'aperçoivent de telle ou de telle manière. Qu'elle soit vue ou invisible, qu'elle soit regardée ou ignorée,
dans le soleil ou dans les nuages, dans la chaleur ou le froid glacial, le jour ou la nuit, la montagne reste là, présente, à être elle-même. De temps en temps, la montagne reçoit la visite de tempêtes violentes, avec de la neige, de la pluie et des vents d'une magnitude impensable. Et à travers tout cela, la montagne continue à rester permanente, calme. Elle reste elle-même, peu importe ce qui se passe à la surface, dans le monde des apparences. Et de la même manière, en méditant, nous pouvons faire l'expérience de cette montagne. Pouvons incarner ce calme qui ne faiblit pas, cet ancrage devant tous les changements de notre vie sur des secondes, des heures, des années, dans notre vie et dans notre pratique de méditation. Nous faisons constamment l'expérience de la nature changeante de l'esprit, du corps et du monde extérieur. Nous avons nos propres moments de lumière, d'obscurité, nos moments de couleur, nos moments de gris. Nous ressentons aussi des tempêtes d'intensité variable. Nous ressentons la violence dans le monde extérieur et à l'intérieur de nous, dans la tête, dans le corps. Nous endurons des périodes sombres, des périodes de douleur et des périodes de joie. Même notre apparence change constamment, comme le temps qui change. En devenant comme une montagne dans la pratique de la méditation, nous pouvons nous associer à sa force et à sa stabilité et à l'adopter dans notre propre vie. Nous pouvons utiliser l'énergie de la montagne pour soutenir notre énergie et rencontrer chaque moment en pleine conscience, avec équanimité et clarté. La montagne peut nous aider à voir que nos pensées, nos ressentis, nos préoccupations, nos tempêtes émotionnelles, nos crises et tout ce qui nous arrive sont exactement comme le temps sur la montagne. Nous avons tendance à prendre les choses de manière personnelle. Mais les caractéristiques de la montagne sont impersonnelles. Le temps, dans notre vie, ne peut pas être ignoré ou nié. Nous devons y faire face, l'honorer, le ressentir, le connaître, le regarder comme il est et en avoir conscience. Et en offrant un regard
un espace pour ces changements. Nous rencontrons alors un silence plus profond, un calme, une sagesse plus profonde. Prenez un moment pour vous réorienter dans la pièce où vous vous trouvez. Revenir au contact ici et maintenant, à votre rythme.